folle, j'ai connu la victoire. En tout moment, je suis toujours triomphant. En tout moment. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Nous sommes au troisième jour de notre programme, 21 jours, programme de 21 nuits de prière, intense prière et de combat spirituel, et intitulé « Le Goliath, que le Goliath de ta vie tombe, que le Goliath du groupe Jésus revient, tombe par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. » Donc, voilà, comme vous le savez, les prières ont lieu toutes les nuits, de 0h à 2h du matin, et de lundi au vendredi. Et les samedis et dimanches, ce sera de 22h à 0h. Alléluia. Donc voilà, peuple de Dieu, nous allons vous présenter rapidement les requêtes de prière pour vous fournir de nouvelles munitions pour que vous puissiez continuer dans le combat. Et je vous rappelle que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que la victoire a déjà été acquise à Golgotha. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est lumière. Amen. Jésus, ta parole est lumière. Amen. Ta parole est puissante. Amen. Ta parole est puissante. Amen. Nous sommes dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous sommes dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, l'ennemi est sous nos pieds. Nous sommes dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que l'ennemi a volé. Nous sommes dans le camp ennemi, ennemi. Pour arracher ce que le mal a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, l'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, ah ah, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, l'ennemi est sous nos pieds. Plus fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Mon sauveur, la puissance est dans le nom de Jésus, la puissance est dans le nom de Jésus, la puissance est dans le nom de Jésus-Christ, la puissance est dans le nom de Jésus, le combat est dans le nom de Jésus, alléluia,
Le combat dans le nom de Jésus. Le combat dans le nom, de Jésus-Christ. Le combat dans le nom de Jésus. Le pouvoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Le pouvoir dans le nom de Jésus. Le pouvoir dans le nom, de Jésus-Christ. Le pouvoir dans le nom de Jésus. La défense est dans le nom de Jésus. Alléluia. La défense est dans le nom de Jésus. La défense est dans le nom, de Jésus-Christ. La défense est dans le nom de Jésus. Le feu est dans le nom de Jésus. Alléluia. Le feu est dans le nom de Jésus. Le feu est dans le nom, de Jésus-Christ. Le feu est dans le nom de Jésus. Le marteau est dans le nom de Jésus. Alléluia. Le marteau est dans le nom de Jésus. Le marteau est dans le nom, de Jésus-Christ. Le marteau est dans le nom de Jésus. La flèche est dans le nom de Jésus. Alléluia. La flèche est dans le nom de Jésus. La flèche est dans le nom, de Jésus-Christ. La flèche est dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus. Alléluia. Le salut est dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom, de Jésus-Christ. Le salut est dans le nom de Jésus. La paix est dans le nom de Jésus. Alléluia. La paix est dans le nom de Jésus. La paix est dans le nom, de Jésus-Christ. La paix est dans le nom de Jésus. La sécurité est dans le nom de Jésus. Alléluia. Sécurité est dans le nom de Jésus. Sécurité est dans le nom, de Jésus-Christ. Sécurité est dans le nom de Jésus. La joie est dans le nom de Jésus. Alléluia. La joie est dans le nom de Jésus. La joie est dans le nom, de Jésus-Christ. La joie est dans le nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, il y a tout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas le nom de Jésus-Christ que nous combattons les forces des ténèbres et nous sommes victorieux. Alléluia. Avant de commencer, je vais rappeler à tous les frères et sœurs nouvellement abonnés sur la chaîne Jésus Revient TV, je vais vous rappeler que le groupe international d'évangélisation Jésus Revient est un feu de réveil allumé depuis le ciel. Et la mission de ce groupe, c'est de rassembler les enfants de Dieu de par le monde entier. C'est de sonner la trompette, de repentance de par le monde entier pour mobiliser les enfants de Dieu, pour les réveiller, pour les préparer, pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le message principal que le Seigneur nous a donné, c'est la sainte doctrine, la prédication de l'évangile authentique, les fondements bibliques. Alléluia. C'est sur cette base que nous travaillons. Alléluia. Le retour au fondement, biblique de l'Église, c'est ce que nous prônons. Alléluia. Donc, dans cette sainte doctrine, nous prêchons beaucoup sur la sanctification, sur le dépouillement. Alléluia. Si vous êtes dans ce combat et vous n'êtes pas dépouillé, votre, quel que soit ce que vous allez tirer contre l'ennemi, ce sera inefficace. Parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, il faut que vous soyez réellement dans la sanctification pour que votre combat soit efficace. Tu ne peux pas avoir les choses du diable sur toi et combattre le diable. Tu ne peux pas avoir des boucles d'oreilles dans tes oreilles et combattre le diable. Il va se rire de toi. Tu ne peux pas avoir des vernis et combattre le diable. Tu ne peux pas avoir les mèches de Mami Wata sur la tête, les cheveux en plastique sur ta tête et combattre le diable. Tu ne peux pas avoir des pelles à terre et combattre le diable. Au contraire, tu vas recevoir même des coups en retour. Alléluia. Donc, tu dois abandonner les choses du monde. Et notre Seigneur dit, laissez à César
donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc tu dois laisser ce, tout ce qui appartient à Satan, tu vas lui laisser ça. Et c'est là maintenant, tu peux le combattre, mais tu ne peux pas avoir ces choses en toi et le combattre. Tu ne peux pas avoir la rancune, tu ne peux pas avoir la colère, tu ne peux pas avoir la haine, tu ne peux pas avoir la méchanceté, tu ne peux pas avoir la vie d'impudicité, la vie de débauche, la vie de prostitution en toi. Et vouloir combattre les sorciers, ça ne marchera pas. Il faut d'abord que tu passes par la repentance. Il faut que tu abandonnes le péché. Il faut que tu abandonnes la débauche. Il faut que tu abandonnes les choses du monde. Il faut que tu abandonnes les œuvres des ténèbres. C'est alors que tu peux combattre efficacement le diable. Et quand tu demandes n'importe quelle arme, n'importe quel missile, ça descend du ciel. Si tu demandes le feu descend. Si tu demandes marteau, le marteau descend. Si tu demandes la flèche descend. Quelles que soient les munitions que tu demandes, ça te parvient et tu combats efficacement. Alléluia. Mais si tu n'as pas une vie de sanctification, si tu as encore les choses du monde dans ta main, si tes mains sont encore souillées, comment tu peux lever ces mains vers le ciel? Et le ciel va t'exaucer. Donc, la condition sine qua non d'un bon combat, d'une victoire dans le combat, ça passe d'abord par la sanctification et le dépouillement, l'abandon du monde et de ses rudiments. À commencer par votre corps, votre âme et votre esprit, votre intérieur et votre extérieur. Dieu voit tout, Dieu regarde tout, Dieu considère tout. Alléluia. Donc, aucun domaine de notre vie ne doit être négligé. Donc, c'est la sanctification ou rien. Alléluia. Et c'est ce que nous prêchons. Donc, si vous êtes nouvellement abonné sur la chaîne Jésus Revient TV, nous vous souhaitons vraiment les bienvenus à la maison parce que aujourd'hui, le groupe Jésus Revient forme une grande famille à travers le monde entier. Mais notre seul message, c'est vraiment la repentance totale et se préparer pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth à travers une vie saine, une vie sanctifiée. Alléluia. Une vie à l'image de Christ. Parce que nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons, notre vie doit refléter l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, voilà en bref ce que je tiens à partager avec vous pour rappeler, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Grassin. Donc, nous allons vous présenter rapidement les requêtes de prière cette nuit, à partir de 0h, alléluia, à 2h du matin. Donc, en point 1, vous allez prier et confier le moment de prière au Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse vous accompagner tout au long de la prière. En point 2, vous allez prier et invoquer le sang de Jésus-Christ à former autour de votre lieu de prière, le lieu où vous êtes réunis. Vous allez prier que le sang de Jésus-Christ forme autour de ce lieu un cercle de rayon d'au moins 100 mètres. Alléluia! D'au moins 100 mètres, vous allez prier ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez prier en point 3. Que la gloire de Dieu soit manifeste partout où les enfants de Dieu sont réunis pour ce programme de prière de nuit de 21 jours. Vous priez ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la gloire de Dieu se manifeste partout. En point 4, vous allez passer quelques moments de louange. Tel que je vous dis, les louanges, c'est comme si vous aiguisez votre âme. C'est comme vous rechargez votre âme. Alléluia. Donc, vous passez environ 10 minutes de louange. Alléluia. Vous allez en point 5, prier et faire prière de repentance sincère et personnelle. Alléluia. Vous allez présenter votre vie devant le Seigneur et vous repentir sincèrement de votre vie de péché abandonné. Si vous confessez, alléluia, si vous confessez, vous devez y renoncer et vous repentir. C'est pas seulement tous les soirs venir confesser, c'est pas tous les soirs venir prier et confesser, non. Mais il faut abandonner. Si tu es dans une vie de péché, je te dis chaque seconde, je te dis, tu fais mal à ton âme. Donc, il faut abandonner l'iniquité. Il faut abandonner le péché. Alléluia. Donc,
un point et six, vous allez aussi prier en faveur des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu du groupe Jésus revient. Vous allez prier aussi pour leur repentance parce que ici, les serviteurs de Dieu ne sont pas épargnés. Donc, vous allez prier aussi ou demander pardon à Dieu en leur faveur. Vous allez prier aussi et contre le manque d'unité parce que c'est l'arme la plus puissante que l'ennemi utilise aujourd'hui contre le réveil. C'est l'arme de la division. Il va diviser les serviteurs de Dieu. Il va diviser les hommes de Dieu. Il va diviser les missionnaires. Il va diviser même les intercesseurs, les chants, tout ça là. C'est la guerre de division. Et ça a toujours été comme ça. Parce que le diable sait que quand les enfants de Dieu sont unis, restent dans le même esprit d'unité, ça va faire très mal au monde des ténèbres. Vous voyez? Mais il va faire quoi? Il va envoyer l'esprit de division. L'esprit de séparation. Ce n'est pas bien. Alléluia. Donc, vous allez prier vraiment pour vraiment que le Seigneur agisse contre le manque d'unité. Alléluia. Nous allons prier aussi en point 8. Prière de repentance, toujours. Tout ça, c'est prière de repentance pour les intercesseuses et les vases qui n'ont pas veillé comme de véritables sentinelles au point où l'ennemi a réussi à ravir des âmes et à créer l'assoupissement au sein de l'église. Donc, vous allez prier vraiment pour la repentance de ces intercesseurs et de ces vases qui ont manqué vraiment à la prière, qui ont manqué à leur mission. Vous allez prier en point 9 et invoquer le feu du réveil dans chaque vie et dans chaque cœur des enfants de Dieu, de Jésus revient. Vous priez ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En point 10, vous allez prier et demandez au Saint-Esprit d'équiper spirituellement les hommes de Dieu et les serviteurs de dons, de révélations pour mieux conduire les églises. Vous priez ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur équipe les serviteurs de Dieu et les hommes de Dieu de puissants dons spirituels pour pouvoir conduire réellement les églises qu'il a mis à leur disposition. Vous allez prier en point 11. Et demander au Saint-Esprit d'équiper tous ceux qui sont dans l'évangélisation de dons de puissance. Que le Seigneur équipe tous ceux qui sont engagés dans la mission d'évangélisation, qui ont pris à cœur. Vous allez voir chaque samedi de partout dans les pays, hein, que ce soit en Afrique, en Europe, partout, des gens sont dans les rues. Hein, les équipes du groupe Jésus revient dans les rues, les soldats de Jésus revient. Hein, équipés et armés jusqu'aux dents dans les rues en train de sonner la trompette, en train de crier, en train d'évangéliser. Voilà, vous allez prier, demander vraiment que le Seigneur les équipe des dons de puissance, c'est-à-dire les dons de foi, les dons de guérison, les dons de miracles. Alléluia, que le Seigneur accorde ces dons afin de donner gloire à son nom. Alléluia. En point 12, vous allez prier que le Saint-Esprit soit puissamment en action dans les églises et cellules. Jésus revient afin de donner la joie aux chrétiens. Vous priez ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En point 13, vous allez prier. Vous allez passer quelques moments de louange encore, des louanges de combat, des louanges et chants de combat. Vous allez passer environ 10 minutes. Alléluia. En point 14, vous allez prendre le psaume 35, le verset 1 à 3. Qui dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Et dis à mon âme, je suis ton salut. Alléluia. Donc tu vas faire cette prière en disant que tout Goliath qui se lève contre l'église Jésus revient de Cotonou soit terrassé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 15, tu vas prier que le rocher de Dieu frappe à l'instant chaque Goliath qui se lève contre chaque église et cellule. Jésus revient à travers le monde entier. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 16, tu vas prier contre tout Goliath du Togo qui se lève
contre le programme de réveil qui est bientôt dans les jours à venir. Vous allez prier que le Goliath, tout Goliath qui va se lever au Togo pour empêcher, pour créer des blocages contre ce programme, qu'il soit terrassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 17, vous allez prier que tout Goliath agissant à travers un être humain contre les églises, Jésus revient, soit publiquement terrassé et humilié par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, vous priez ainsi. En point 18, vous allez prier que tout, que l'épée du Saint-Esprit frappe en plein cœur tout Goliath qui veut provoquer la mort prématurée d'un enfant de Dieu, de Jésus revient. Au nom de Jésus, vous priez ainsi. En point 19, vous allez prier et demander au Seigneur d'envoyer son ange, l'archange Michael, et son armée nettoyer tout le territoire du Togo de tout esprit qui voudront s'opposer à ce programme de réveil. Au nom de Jésus, vous priez ainsi. En point 20, vous allez prier que toute confrérie de sorciers qui se réunissent contre le programme de réveil au Togo soit dispersée par le feu du Saint-Esprit. Vous priez ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 21, vous allez prendre le psaume 33, le verset 20 qui dit « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. » Alors tu vas prier ainsi et dis que l'âme de chaque enfant de Dieu, de Jésus revient, soit totalement libérée par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous priez ainsi. En point 22, vous allez prier et demander au Seigneur d'envoyer son ange dans ta famille afin qu'il détruise tout ce qui se fait, tout ce qui se fait contre toi au nom puissant de Jésus. Tu pries ainsi. En point 23, tu vas prier que le Seigneur envoie son ange dans le monde astral, le royaume de sorcellerie, afin de libérer ton âme de tous tes biens en captivité. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 24, tu vas prier que la lumière du Saint-Esprit fasse disparaître les ténèbres qui te couvrent et te suivent contre comme ton ombre. Voyez, que la lumière du Saint-Esprit fasse disparaître les ténèbres qui te couvrent et te suivent comme ton ombre. Et tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ. En point 25, tu vas prier que ton Goliath, mari ou femme de nuit contre toi, soit frappé par l'épée du Saint-Esprit. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 26, tu vas prier que tout sorcier Goliath de ta famille soit publiquement terrassé et qu'il avoue ses œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Point 27, tu vas passer encore 5 minutes, environ 5 minutes de louange pour recharger encore tes âmes. En point 28, tu vas prendre le psaume 34, le verset 7 qui déclare « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Et il le sauve de toute cette détresse. Alors tu vas prier et demander au Seigneur que sur la base de cette promesse, qu'il vienne sauver ton mariage ou ton foyer pour manifester sa gloire. Alléluia. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 29, tu vas prier et demander au Seigneur que sur la base de la promesse, qu'il vienne sauver tes enfants, afin que tous le servent. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 30, tu vas prier et demander au Seigneur que sur la base, toujours de sa promesse, qu'il vienne te sauver comme il a sauvé Daniel et ses amis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En point 31, tu vas prier et demander au Seigneur de faire de toi le David de ta famille, en te faisant triompher de Goliath qui oppresse chaque membre de ta famille depuis des générations. Tu pries ainsi au nom de Jésus que le Seigneur fasse de toi le David de ta famille pour terrasser les Goliath, les hommes forts, les géants de ta famille qui a pris toute la famille en otage depuis des générations.
tu vas prier pour les terrasser. Tu vas prier en point 32 et prier, demander au Saint-Esprit de révéler l'identité exacte de la personne qui incarne le Goliath de ta famille. Que le Seigneur te révèle qui est ce Goliath-là, son identité. Alléluia, parce que quand on dit Goliath, c'est le symbole des hommes forts, soit de ta vie, soit de ta famille, etc. Donc, que le Seigneur te révèle l'identité derrière, la personne qui est derrière cet homme fort-là, qui opère, la main invisible qui opère dans la famille, que le Seigneur révèle son identité. Alléluia. Si le Seigneur te révèle son identité, c'est pas que tu vas le croiser, commencer par envoyer feu sur lui. Non. La Bible déclare que nous ne combattons pas la chair contre la chair, ni le sang, mais nous combattons les esprits. Les esprits. Alléluia. Tu peux le croiser, même l'embrasser, le saluer chaudement. Mais quand toi, tu vas sur tes genoux là, tu tires à bout portant contre l'esprit qu'il a incarné. C'est l'esprit que nous combattons. Nous ne combattons pas la chair. Alléluia. Nous ne combattons pas la chair, mais nous combattons les esprits méchants, les esprits de domination, les esprits dans le monde astral, c'est-à-dire l'esprit qui les incarne pour opérer contre toi. C'est cet esprit-là que toi, tu vas combattre. Si Dieu te montre que ah, tu vois telle personne dans ton son, c'est fini, tu dois plus le saluer, tu dois faire cela. Tu fais ça, tu vas aller en enfer, parce que la Bible a été claire. Nous ne combattons pas la chair ni le sang. Alléluia. Mais nous combattons contre l'esprit qui opère dans la personne contre toi. Alléluia. Voilà. Donc, en point 33, tu vas prier et demander au Saint-Esprit de dévoiler tout ce que le Goliath de ta vie a fait contre toi depuis ton enfance. Même depuis ta naissance. Il y a certains à leur naissance même. Même depuis leur couche, depuis l'accouchement, les Goliaths de la famille ont déjà commencé par opérer contre leur vie. Les tantes de la famille ont déjà commencé par prononcer des malédictions, même sur leur placenta, sur leur destinée et tout ça là. Toi, tu vas prier que le Seigneur te révèle tout ce que le Goliath de ta vie a fait contre toi, que le Seigneur te le révèle. S'il a volé quelque chose dans ta vie, s'il a envoyé une maladie dans ta vie, si la maladie dont tu souffres émane de la main d'un Goliath de ta vie, tu vas prier que le Seigneur te le révèle. Et quand tu vois, reçois ces révélations, c'est que tu sais désormais là où tu vas tirer. Alléluia. En point 34, tu vas prier et demander au Saint-Esprit de te guérir de toute maladie, même jugée incurable, que le Goliath de ta vie t'a infligé. Que le Seigneur te guérisse du sida, que le Seigneur te guérisse du cancer, que le Seigneur te guérisse de diabète, que le Seigneur te guérisse de toute maladie déclarée incurable, que le Goliath de ta vie t'a infligé. Que cette maladie soit guérie. Tu demandes par la puissance du Saint-Esprit que cette maladie soit guérie. Alléluia. En point 36, tu vas prier que tous les couples sans enfants, c'est-à-dire les couples stériles, déclarés stériles, que tous ces couples reçoivent le pouvoir de l'enfantement. Alléluia. Tu pries que tous les couples sans enfants, que le Goliath qui empêche l'enfantement dans leur foyer soit terrassé et qu'il les relâche. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 37, tu vas prier pour tous ceux qui cherchent un emploi. Que tout Goliath qui empêche cette bénédiction de s'accomplir dans leur vie soit vaincu au nom puissant de Jésus. Et que les enfants de Dieu trouvant du travail. Donc tu pries ainsi au nom de Jésus. Si tu es dans le cas que la main de l'Éternel agit pour libérer de l'emploi, tes emplois qui ont été mis sous embargo par l'ennemi. Donc tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 38, tu vas proclamer le psaume 35. Tu proclames le psaume 35 au nom de Jésus.
et en point 39, tu vas prier et clôturer avec des chants de louange, des chants de victoire. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, ce que nous aimerons, les requêtes de ce programme, de cette troisième nuit que nous aimerons partager avec vous. Alléluia. Vous pouvez envoyer vos témoignages et ce que vous expérimentez, ce que le Seigneur, la visite du Seigneur dans votre vie, vous pouvez témoigner ça. C'est très important, c'est même obligatoire. Si le Seigneur te fait quelque chose dans ce programme-là, c'est très important de témoigner afin vraiment de permettre que la gloire de Dieu se manifeste dans le monde. Parce que même un panier peut tomber sur ton témoignage, ça va l'édifier et directement, il sera saisi par le Saint-Esprit et donner sa vie à Jésus. Alléluia. Donc, le témoignage, c'est aussi un élément très important dans la vie chrétienne. Alléluia. Donc, vous envoyez vos témoignages par le 00-229-97-25-35-39 et 00-229-94-33-69. 05. Le programme, le Seigneur nous permet aussi d'accompagner tous ceux qui vraiment ne savent pas prier tout ça là. Le Seigneur permet que nous faisons aussi le direct tous les soirs de 01 à 22h. Donc, vous pouvez suivre cela sur la chaîne YouTube ou bien si vous avez le décodeur Strong à la maison, vous pouvez capter la chaîne Jésus Revient TV et suivre le programme en direct. Alléluia. Donc voilà, nous bénissons vraiment le Seigneur. Vous qui n'êtes pas encore intégré sur les plateformes du groupe Jésus Revient, vous, il suffit seulement de nous écrire par hasard ou bien de cliquer sur les liens que nous mettons en description et vous êtes directement abonné, soit sur Telegram, soit sur Facebook, soit sur YouTube, etc. Donc voilà, peuple de Dieu, ce que le Seigneur nous permet de vous présenter en ce moment. Alléluia. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait et t'a libéré, il t'a libéré. Jésus t'a libéré. Le roi des rois, il t'a libéré, il t'a exaucé, il t'a exaucé. Jésus t'a exaucé. Le roi des rois, il t'a exaucé. Voilà, peuple de Dieu, je vous remercie. Soyez bénis. Shalom, shalom. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien du groupe Jésus-Christ. Merci beaucoup.